Méchant fucké. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Ben, peut-être pas si fucké que ça. On a reçu ses tests psychologiques, puis le gars, il est tout là. Il est juste bien perdu. On va recommencer du début. D'où venez-vous? Écoutez, Monsieur Roy, je vous ai déjà dit que le traitement de silence, ça ne marchera pas avec moi, puis vous ne m'aurez pas à l'usure. Bien. Parfait. Parfait. Vous savez, M. Roy, je veux bien vous aider, mais il va falloir que vous m'aidiez un petit peu aussi. Vous êtes accusé de conduite dangereuse ayant causé un accident sur les voies publiques. On vous a poursuivi pendant 17 minutes à 150 km/h dans une zone résidentielle. Non seulement vous n'aviez pas vos papiers, mais on ne vous trouve pas dans notre système. Pas de permis de conduire ni assurance, il n'y a même pas un certificat de naissance. C'est qui va payer pour tout ça? Vous, peut-être. Il y en a pour 20 000 piastres de dommages. Puis l'incendie, c'est à 9e avenue, ça correspond étrangement avec votre fuite. Avez-vous quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que c'est pour ça que vous fuyez? Monsieur Roy, vous n'aurez pas le choix de parler, là. Parce qu'avec des chefs d'accusation comme ça, vous en avez passé un méchant bout en dedans. Ce que je fuis, c'est pire qu'un incendie. C'est l'enfer. Pierre? Ouais. Pis? Ben, pis. J'ai pu soutirer 2-3 phrases aujourd'hui. Faut croire que vous avez quelque chose de plus que les autres. Ouais. Si tu veux, je suis chanceux de même. J'ai mis le résultat des tests là-dessus. Avez-vous déjà vu ça, une enquête comme ça? Le gars, c'est un vrai fantôme. Je sais. Pourquoi il s'enfuyait d'après vous? Ça, je sais pas. Mais il y a quelque chose de pas net là-dedans. Bon, mais bonne chance avec votre enquête paranormale. Merci. Oui, salut chérie. Je m'excuse. Ouais, je sais, j'ai pas vu l'heure. C'est juste que je suis encore sur mon dossier compliqué, là. Je vais tout t'expliquer ça à la maison. Ouais, ouais, ça serait bon, ça. Je m'occupe du vin. À tantôt. Je t'aime. Bonsoir. Ce que je fuis, c'est pire qu'un incendie. C'est l'enfer.
Suzanne, ma carte marche pas. OK. Tu peux entrer, on va faire vérifier ça. Jeff. Tu vas me rendre service, mon ami. Tu vas aller voir Steph, aller porter mon ordi. J'ai un problème, puis j'ai perdu des dossiers importants là-dedans. OK? OK. Merci. OK. Aujourd'hui, c'est vous qui allez parler. Je vous écoute. Ma famille. Continuez. Votre famille. Mes amis. Mes collègues. C'est vivant en dedans. Je le sens. Mais j'ai pas de preuves. Ils ont fait quoi? Ils ont rien fait. Puis c'est pour aller les rejoindre que vous fuyez? Non, c'est pas pour ça. Écoute, arrête. Il est encore temps d'arrêter. Va pas plus loin. De quoi vous parlez, là? Monsieur Roy, êtes-vous sûr de ne pas vouloir être pris en charge par un de nos psychologues? Parce que... Oh, hey! Arrêtez de me faire chier avec votre psychologie à la marde! Bernard, là, tout le monde ici, ils savent que c'est pas de lumière. La seule raison pourquoi il est engagé, c'est parce que son père a travaillé pour le bureau. Un peu, là. Comment ça que tu... Ça va? On va aller chercher de l'eau, OK? Hey, Pierre. Ouais. Je comprends pas. Il dit qu'il a tout essayé, puis même le logiciel de récupération de données. Super, merci. Oh, c'est peut-être bien ta clé de problème. Pierre? Ouais, excuse-moi. Perdu quelque chose? Petite carte par ici, petite carte par là. Là, mon Conrad, là, tu vas arrêter de me niaiser. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas encore compris, Pierre? Pierre? Comment ça, tu sais mon nom? Moi, ici, là, c'est Monsieur Bénin. Puis c'est si facile que ça à comprendre, là. Explique-moi donc ça. C'est pareil. De quoi pareil? T'es rendu plus loin que je pensais. Ça, c'est le début de la fin, ça. Le problème, c'est d'en parler. Tu devrais me laisser partir et arrêter d'en parler. Mon cher Conrad, il y a des chefs d'accusation qui pèsent contre toi. Ça peut juste empirer. Tu pourras pas revenir en arrière. Laisse-moi partir. Hey, là, ça fait, là. Tu peux pas partir. Puis il va falloir que tu te mettes à parler, là. Puis si tu coopères pas plus que ça, mais c'est dans une prison que tu vas finir. Ou dans un asile. Est-ce que tu clair, ça? T'as-tu d'autres choses à ajouter, là? Allô? Pierre? Attends, là, qu'est-ce qui se passe, là? T'es plus dessus?
va ben trop vite, là, j'aime pas ça. Au début, c'était les cartes, la photo. Faut que t'arrêtes, là. Quoi? Non. Bon, Pierre, tu viens pas ici. Non, Pierre! Ça fait 2 semaines que tu veux que je te parle, mais ce que tu comprends pas, c'est que ça fait depuis le début que j'essaie de t'expliquer ce qui se passe. Tu cherches du rationnel, y a pas le rationnel là-dedans. Je sais que t'as toujours été le plus tough de la gang, mais il faut que tu lâches prise. Ce que tu vas faire, là, tu vas retourner chez vous, tu vas prendre soin d'Edith. Oublie-moi, là. Fais juste m'oublier. Conrad? Conrad? Qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont montré son badge. Toi, va chercher du renfort. Je suis venu poser des questions, mais... Qu'est-ce que t'as fait avec le suspect? Hey, Jeff! J'appelle en centrale, j'ai besoin de renfort. Un 10-35, je répète. Reste assis! Reste assis! C'est moi, Jeff. Recule. C'est moi, je te dis. Je t'ai dit de reculer. Mais voici. Mais voici, mon gars. On va arrêter à roue. Il dit qu'il a tout essayé, puis c'est même la notion de récupération. Ça passe pas. C'est le début de la fin, c'est... On va pas revenir en arrière. Ah oh, oui. Couche. Ça va bien aller. Bouge pas, puis ça va bien aller. Le suspect s'est enfui, il est armé, je l'ai perdu après le pont direction ouest. Ce tracé-là, sa plaque, c'est Delta 42, Alpha Tango, Zulu. 10-4. Je m'en occupe. 10-4. Excuse-moi, chérie, je voulais pas te faire peur. Edith, c'est juste moi. Thank you.
Alors, M. Bellin, on va recommencer du début.